Salut les amis, c'est Monsieur Nourge, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Monster Energy Supercross et le début de notre carrière, saison 2 en 450, les amis, et oui, en 450. Alors il y a eu une petite mise à jour, enfin une petite mise à jour de 4 Go quand même, apparemment, cette semaine. Ce que j'ai compris, bon j'ai pas lu le patch, mais là j'ai eu un message comme quoi maintenant je pouvais changer la livrée de la moto par rapport au sponsor qu'on a choisi. Donc ça m'a l'air plutôt sympa. Si j'arrive à faire... Kit graphique peut-être, c'est ça qui a changé. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. On peut du coup maintenant débloquer des trucs et rajouter... des livrées. Donc là on a la livrée de sponsor, on a les livrées d'origine. Et on peut changer la plaque, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça, c'est l'ajout apparemment de la mise à jour. Entre autres, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté de plus. Mais voilà, au moins, j'ai eu ce message-là. Au moins, vous savez qu'il y a la livrée de sponsor qui est disponible maintenant sur chaque moto. Alors, les amis, vous savez, la semaine dernière, on a fait le bilan sur la première saison. On a décidé de continuer une deuxième saison en 450. Et Radius m'a conseillé... de faire gaffe parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que le 250. Voilà. Donc, on va changer de sponsor tout de suite. On va passer sur un sponsor. Voilà, on va passer sur un sponsor. On va prendre celui-là. Qui nous demande pas trop d'être. Enfin, d'être pas trop haut au début. Parce que voilà, Radius m'a dit attention, blablabla. Donc, on va faire gaffe. On va prendre celui-ci. Il va nous demander d'être 8e. On va voir ce que ça donne, et puis si je vois qu'on n'arrive jamais à être 8ème, eh ben on redescendra encore une fois pour avoir un sponsor qui sera peut-être plus adapté à notre pilotage. Voilà, on y va, on commence, on va faire deux courses comme d'habitude, surtout que là il y en a beaucoup plus sur cette saison, donc on y va, on va tester ça, c'est parti. Allez, est-ce que vous êtes prêts? On est en 450, est-ce qu'on va réussir notre départ? Je ne pense pas. Voilà, c'est parti. On est à Anaheim, un circuit qu'on connaît normalement. Bon, la mise à jour n'a pas réglé. La mise à jour n'a absolument pas réglé les lags. C'est magnifique. Allez, hop là. Hop là, oh, attention, attention. On va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus loin, attention. Et olé. Oh, c'est la chute. Et ouais, 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 bah ouais, le freinage plus le tournage en même temps. C'est pas bon. C'est pas bon ça, Jean-Michel. Pas très bien. Hop. Hop, ça chute. Ça chute devant. Et on n'arrête pas de prendre les protections. Ça va pas. Et ça rechute devant. On est actuellement 4e, les amis. Olé. Olé. Oh, ça fait des figures et tout. Attention, ça nous nargue. Olé. Allez. Très très mal géré là, très très mal géré. Laissez-moi passer. Olé. Eh ouais, moi aussi je sais faire. C'est bien ça, l'accélération, nickel. Allez, faudrait qu'on rattrape les petits zigotos qui sont devant. Hop, un peu large. Ah ouais, bah ouais, ça fait le malin, mais ça gère pas les cascades. Eh ouais, moi je l'ai géré, mon pote. Hop, allez, faudrait qu'on rattrape les petits zigotos. Allez, pas trop loin, voilà, nickel. Ah, moins bien là. Eh oh, tu me retombes pas dessus, toi, c'est interdit ça. Et hop là. Ah, on tente pas la figure, on n'avait pas pris assez de vitesse. Par contre là, c'est pas gentil de me doubler, monsieur, s'il vous plaît. Retournez derrière, s'il vous plaît. Oh là là, il a failli me faire tomber, ce petit bâtard. Allez. On a une petite figure, toute petite, hein. Thank you.
Eh ouais, on passe mieux ici, on passe mieux. Oh putain, par contre, il accélère vite. Allez, ça passe ça, ouais, c'est bien. Oh, un peu loin, un peu loin. Allez, je tente une petite figure pour des pilotes. Oh non, 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 Jean-Michel, qu'est-ce que t'as fait? T'es bien remonté là. C'est de la faute à Debilov. Mais ouais, c'est de sa faute. Il m'oblige à faire des figures. Hop là, voilà, c'est bien ça, Jean-Michel. Allez, on remonte là, on remonte. On remonte. Hop, on s'appuie sur sa roue avant, mais ouais, faut faire ça, Jean-Mi, c'est bien. Est-ce qu'on aura l'espoir de remonter sur la tête? On se rapproche, hein, on les rattrape de temps en temps, mais on reste à distance. Il reste deux tours encore avant la fin de la course. Oh yeah, je l'ai rentré celle-ci, mais bien sûr. Mais bien sûr qu'elle rentre, et le public est en folie devant la figure de Jean-Michel Nours, mais oui. Celle-ci était magnifique. Et on revient sur les poursuivants, sur les pilotes de tête. Allez, on essaie d'être propre. Oh là là là, j'essaie d'être propre, et là, la pression garçon. C'est vrai que c'est balèze, hein. C'est vrai que c'est autre chose. Alors je suis repassé en... Hop là, petit tour par là. Je suis repassé en facile par contre, je sais pas si je vous l'avais dit. Je suis passé en facile hein, parce que Radius m'a fait vraiment très peur. Il m'a dit tu vas voir c'est autre chose, c'est beaucoup plus galère, ils sont beaucoup plus forts et tout. Donc au lieu de rester en moyen, je suis passé en facile. On remontera en moyen si on voit que ça gère la fougère, mais là pour l'instant on va rester en facile. Ça va très bien, on voit que je lutte hein, déjà pour revenir à la tête, donc... Oh, et c'est fini, on finit quatrième, les amis. Premier résultat de 450 sur cette saison numéro 2. C'est la quatrième place. Ending the 450 main event. Let's take a look at the results to see where your favorite... Ouais, let's take a look. Donc quatrième, on prend 18 points pour cette première course en Californie, à l'Anaheim. Yeah, baby. Yeah. Ah, yeah. I'm content. Ouais, ouais. C'est bien. C'est grâce à toi, ça. Eh oui, Bobby. Putain, c'est nul. Oh, ces animations dégueulasses. Allez, donne-moi des sous. Ça me fera plaisir. Niveau 31. Ça grimpe. Ça grimpe. Ça grimpe. On a même pas un petit trophée pour nous dire que c'est notre première course en 450. Bon, eh bien écoutez, on va se lancer dans la deuxième, hein, bien sûr, comme d'habitude. On va se lancer dans la deuxième course. Alors, il y a un peu plus de puissance, c'est vrai. Par contre, c'est moins simple. Pourquoi ma voiture... Ah non, bah non, oui, c'est vrai que c'est les livrées de... Bah oui, je veux dire, ma moto a changé. Bah oui, c'est les livrées des sponsors, vu qu'on a changé de sponsor, on change de livret. Alors, est-ce qu'on avait tout acheté? Je ne sais plus. Mais merde, c'est pas possible. Je me gourde de bouton à chaque fois. Est-ce qu'on avait tout acheté? Et le guidon, est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas, mais on peut changer le guidon. Vas-y, un PBR, parce que ça me plaît beaucoup. On va le prendre blanc. Ouais, allez, vas-y, on prend blanc. Hop, allez. La mousse du guidon, PBR... Noir, ça, on peut pas changer, c'est par rapport à ce qu'on a choisi sur le guidon. Les poignales. Des pro-tapers, voilà, parce que c'est les pros et c'est les tapers, voilà. Oh putain, il y a rose. Ah, désolé. Voilà, ça, c'est fait, il me reste 50 000 crédits. Les protège-main. Des UFO, parce qu'on est des extraterrestres. Est-ce qu'il y en a des roses? Il n'y a pas l'air d'y en avoir des roses. Non.
Vu qu'on a pris le guidon blanc, on va prendre du blanc. Allez. La suspension, on avait pris des all-ins. Ok, ils sont installés. Est-ce que si on change, il y a des mieux? J'ai pas l'impression. 30 000 crédits. Je reprends la même. Bien joué. Bien joué Jean-Michel. 30 000 crédits. Ouais, ça m'a pas l'air. Suspension, c'est bon. Échappement, c'est bon aussi. Je ne pense pas qu'on... Ah si, on a 50 000. Est-ce que celui à 50 000 nous up? Absolument pas. Ouais, c'est celui-là qu'on a déjà en fait. On a déjà l'échappement à 50 000. Les disques d'effring. On avait donc le gros déjà, donc on devrait... Ah! Celui à 50 000 nous fait EP ici. Ok, donc on verra. Au niveau des jantes, on n'avait pas mis de jantes? Ah ouais, elles sont beaucoup plus chères. Ok, il nous faut des sous pour changer les jantes. Donc, disque de frein, jantes et les pneus. Des pneus chez Mitas. Chez Pirelli, ok. Les pneus, c'est bon. Ok, donc il nous faut... disque de frein et jantes. Donc 50 000, 50 000, il nous faut 100 000. Voilà, on est au courant. J'aurais oublié d'ici là, mais on est au courant. It's good. Allez, deuxième course, les amis, à San Diego. Allez, on est parti pour cette deuxième course à San Diego. On va pouvoir y aller. Ah d'accord. Allez, ok. Départ complètement raté. C'est génial. On se prépare bien sûr. Hop là, on va se caler ici. Il n'y a pas de lag, c'est bon. Il n'y a pas de lag. Ouh, il est un petit petit. C'est bon, nickel. Je suis en train de perdre mon écouteur. On vient se caler ici sur la roue avant du pilote. Hop, je remets mon écouteur en même temps. Bien joué Jean-Michel. Un jour tout à fait, je traîne un casque. Ça évitera ce genre de problème. Allez, on est bien placé. Hop là, et oui, on vient s'appuyer sur le pilote, bien sûr, technique de bâtard. Hop là, le petit freinage dans le haut du virage. Et on se retrouve premier. Olé. Olé. Hop là, on est un petit peu long, il en profite. Allez, on est au coude à coude. Oh là, il y a un troisième pilote qui arrive, du coup. Et hop, on reprend la première place. Ouh, on est un petit peu long là. Oh, la figure qui rentre pas, c'est pas grave. Olé, c'est bon ça. Voilà. On évite maintenant de freiner en tournant. Ça évite de se casser la gueule. Plusieurs fois j'ai fait l'erreur. C'est bien d'apprendre de ses erreurs quand même, Jean-Michel. Hop là, oui, un petit peu trop raté, un petit peu raté là, là, on était un petit peu léger sur l'accélération. Voilà, et hop, on freine sur le haut du virage. On est bien là, on est bien. Ah, j'ai tenté la figure. Je sais pas ce que j'ai voulu tenter, mais c'était pas bien du tout. Fais pas le con, Jean-Michel. T'as pas encore gagné. Oh là là, c'est catastrophique là. C'est catastrophique ce que je fais. Ça en profite pour revenir derrière et lui mettre la pression. Olé. Voilà, ça passe. Ça passe. Bien joué Jean-Michel, bien joué. Voilà,
c'est ça qu'on veut. Ça, c'est bien joué. Voilà, Jean-Mi, c'est comme ça que tu nous régales. Olé! Oh, un peu long. Eh ouais, un peu long, là. Ça fait deux fois. Te casse pas la gueule, Jean-Mi, c'est la fin. Il reste encore un tour. Fais pas le con. Ça serait moche. Très mal négocié. Ah, du coup, on va pouvoir repasser avec un sponsor, je pense. Oh là 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 là, on sort encore de la piste. On va pouvoir essayer de repasser avec un sponsor un peu plus intéressant. Si on reste en facile pour l'instant. Olé ! Je pense qu'on va rester en facile le temps qu'on achète les dernières pièces, là, disque de frein et jantes. Et une fois qu'on aura acheté ces pièces, on verra comment que la moto se comporte et on passera en moyen. En difficulté moyenne, on a très très mal négocié cette ligne droite. On a perdu du temps. Olé ! Voilà, ça passe. Et la fin. Et ouais. And the winner is Jean-Michel. The checkers have waved and all of the riders have crossed the finish line jump. C'est bien ça. C'est bien Jean-Michel. Et au classement général, non ça c'est l'épreuve. Ouais, ça c'est l'épreuve. On prend 25 points et on va voir le classement général. Oh, putain. J'avais oublié. Oh mon dieu. Ah, la coupe est un peu plus grosse, mais elle est toujours aussi bien détaillée. C'est un gros truc en laiton, tu sais. Au classement général du championnat, on est 3ème, les amis, à 2 petits points de la première place de Marvin Musquin. Ken Roxen est 2ème et Ryan Dungy 4ème et Cooper Webb 5ème. Voilà les amis pour le classement. Après deux épreuves sur ce magnifique 450, on est passé niveau 33. Des crancras. On se croirait chez le médecin. Oui, fallait que je la fasse en même temps. Voilà, 22, voilà les bleus et 33, les médecins. Toujours. Toujours. Restez dans les basiques. Faut rester dans les basiques. Du coup, on va voir. Déjà, on va aller s'acheter une pièce. Parce qu'on a 72 000 dollars. Donc, on est bien. Donc, on est bien. Donc, on va aller s'acheter. Les disques de frein. Parce que j'aime ça. Du coup, la braking nous donne un peu plus. Ça c'est bon. Il n'y a pas mieux. Hein. Non. Voilà, il nous reste 22 000 crédits. Il faudra qu'on achète des jantes la prochaine fois. Couleur des pièces. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tout changer. Kit graphique, on reste sur la livrée de sponsor. Ah, on pourrait mettre des spéciales. Niveau 100, on peut mettre des bronzes, argent et or. Ok, on est niveau 33. Il y a encore de la marge. Blackbird Racing, ça fait quoi? 20 000 crédits. Ok. Et Fusion Graphique. Oula. Oula, Plasma. Ok, bah il est truc sympa. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais rester en facile pour l'instant. Le temps qu'on ait acheté les dernières pièces et on verra si on domine. On va juste changer de sponsor. Voilà, pour avoir... On va reprendre Thor, tiens. Pour avoir... Un meilleur gain sur les places. Là, il nous demande d'être quatrième, donc je pense que c'est faisable en facile.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre carrière en 450. Petit changement aussi, j'avais dit qu'on ferait moto MXGP3 après celui-ci pour tester aussi. Mais Radius m'a annoncé que le 4 allait sortir au mois de juin, je crois. Donc du coup, on attendra la sortie du 4. Il y a MotoGP18 aussi qui sortira en juin, il me semble. Donc voilà, il y a plein de jeux de moto qui vont sortir. Donc le retour de Ride 2 va être compliqué, mais on va essayer, vous inquiétez pas. S'il faut, on en fera un peu plus, on fera un peu moins de Project Car et on fera un peu plus de moto. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, à vous abonner à la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et nous, on se retrouve donc demain pour du Project Car et la fin, normalement, de notre carrière en GT4. Vous vous souvenez que c'est à vous de choisir la suite de notre carrière, bien sûr. Et autrement, mercredi prochain pour la suite de Supercross Monster Energy. Voilà. Salut, bye bye.